Par contre, ça a donné masse XP. En même temps, quand tu regardes les prix de la bouffe ici, 2000 guilds le poisson. C'est vraiment de la bouffe de luxe, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit pour pioncer? Ouais, là-bas. On va aller prendre un level, parce que j'ai compris en plus que la nuit, faut pas trop se balader, les monstres sont assez violents. Sur quoi j'ai cliqué, un random truc. Ah, Inis a pris une nouvelle recette, ok, normal. Salut Dani! J'en ai aucune idée, j'ai commencé le jeu ce matin donc. Note! Prêt pour une baston vidéo ludique? Encore King's Knight? Tu vas regretter ta proposition. Je peux pas vous laisser perdre tout seul. D'après ce que j'ai compris, si tu prends ton temps, t'explores bien et tu fais toutes les quêtes, t'en as à peu près pour 30 heures de jeu. Ah mais en fait il fait des photos tout seul. Une bonne bohue. On va retourner dans la zone d'avant, je vais essayer de finir les quêtes de chasse où faut tuer les bestioles. Bah, il semblerait pas, Dani, justement. Tu peux aller voir sur Gamekult, ils ont testé le jeu. Et il semblerait que le jeu est quand même assez court. Donc, comme je te dis, toutes les quêtes, pratiquement toutes les quêtes optionnelles et la quête principale, c'est 30 heures. De ce que disait Pouillot. Alors, je voudrais retourner où j'étais avant à Hammerhead. Minutes de route. Salut Jonix. Je pense pas qu'il y ait d'experts ou autre Jonix. Au début, il y avait un tuto, le tuto était plutôt bien foutu, donc il a vraiment un système de combat différent des autres FF. Je pense que tu peux commencer par celui-là si t'en as jamais trop fait. Salut Orion! Ah, c'est gentil, ma nouvelle co, c'est du feu de dieu. Pas un drop, rien, je suis tranquille. A plus, El Punisher, passe une bonne journée, poto. Il me semble de toute manière que quand tu lances le jeu, il y a un message qui te dit que ce jeu est dédié... à ceux qui sont fans de la série et aux nouveaux venus, donc je pense pas que tu auras de problème. Merci pour le follow, Dani. C'est sympa, merci à toi, l'ami. Hop, du coup, on va aller prendre les quêtes. De la bagarre. Par contre, putain, les temps de chargement sont vraiment longs. Vous mangez à votre faim au moins. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Je nous sers de la bagarre. Ne nous laisse pas une minute de tranquillité. On va faire celui-là. Merci à vous. J'aime pas me barrer d'une zone sans avoir fait tout ce qu'il y a à faire dedans, ça m'énerve.
Je sais qu'il y a des grottes, il y a des trésors. Allez, en avant. Donc il y a juste ce côté, faut courir. Est-ce qu'il y a moyen de se rendre rapidement là-bas ou pas? Ou genre il n'y a pas de parking. Non, je crois pas qu'on s'arrête. Je crois que genre ça nous amène ici pour qu'on y aille quand même à pied. Pour l'instant, moi j'aime bien le jeu. Après, il paraît que vers la moitié du jeu, t'as une sensation que le jeu est pas très très bien fini. Ignace, il faut y aller. Donc, juste une seconde. Je saurais pas te dire, Danny. J'ai pas assez d'heures de jeu pour pouvoir te donner un avis objectif là-dessus. Je vous conseille d'aller sur Gamekult, vous lisez le test en entier, pas juste la note parce que ça sert à rien, et vous aurez un avis un peu plus professionnel, on va dire. Ah, super la météo. Ouais, tu l'as dit. Ouais, pour l'instant, le système de combat, moi, je trouve génial. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne avec plus de points de talent, plus de trucs. Pour l'instant, je trouve ça assez cool. Bah, après, ils ont tellement fait de hype sur le jeu, ils ont tellement fait d'annonces, etc. Ils parlaient d'un gros RPG open world, etc. Et ça fait beaucoup de etc. Et il semblerait que la deuxième partie du jeu est très dirigiste, t'es en mode ligne droite, fini le joli open world comme ça, quoi. Donc je sais pas. Après, faut pas non plus se laisser. Il est encore tôt, on verra bien. Se laisser avoir par les tests ou autre, se faire un avis des fois, c'est bien. Soyez vigilants. Ouais, il y a une démo, il me semble, du jeu. Elle est sortie d'ailleurs il y a un petit moment. Vous voyez me barrer comme ça, c'est pour faire remonter mes points. Du coup, ça permet de régénérer la mana, les points de vie aussi. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le point. Come on.
J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement, il y a eu 3 démons quand même. Salut Burk. Elle a appris une recette de... cuisine. Mais que fait Brigitte Bardot? C'est pas faux. Oh, hey, c'est pas le moment de faire l'idiot. J'ai glissé. J'ai glissé, mon capi-chef. Un trésor. Une corne poilue géante. Ah, tu peux pas jouer les autres persos, mais tu peux leur donner des ordres. Bah, doucement, comme d'hab, Burk, et toi, comment ça va? Le problème, c'est que j'ai tendance à trop dasher. Du coup, je bousille toute ma mana en 3 coups. Oh, le système de combat est grave cool. Enfin, le défaut, c'est que je bousille toute ma mana. Salut Raze, non, c'est pas un MMO, c'est juste un open world. Hey, ils sont quand même costauds les mobs. Pour avoir point de vie, on va se planquer un peu. Piou. Ouais, on a eu chaud cette fois. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Oh, une question, c'est une question. Il n'y a pas de mal à pas savoir. Les scènes de combat est cool, pour l'instant le jeu est sympa. On verra plus tard. Non, en multi ce serait stylé. Est-ce que je disais faire comme les sur les Tales of? Les potes ils peuvent jouer les autres persos. Arrête un peu de la jouer.
Oui. Ouais. Ah, tu sais très bien, les Japonais avec un pistolet, ils abattent des oiseaux à 500 mètres. EZ. Ah, j'ai chopé une tenue. Est-ce que j'aurais autre chose à activer? Tu fais pas de la magie? Ah si, j'ai de la magie. Alors avant de jouer au jeu, hein, je vous conseille de regarder le film qui s'appelle Kingsglaive, qui raconte un peu ce qui se passe avant le jeu, et c'est assez sympa. Oh, je crève de chaud. Eh ben, t'as qu'à enlever ta veste. Oh, comme il a fait fermer sa gueule. Je crois qu'il y a un truc, si j'arrête de courir au moment pile où je vide ma barre, ça me la recharge entièrement. Il y a un truc comme ça, j'ai pas compris. Coucou Irio. Mais Kingsglaive est plutôt cool, hein, je vous le conseille. Trouvé sympa. Ouais, ferait mieux de partir. Oh, aussi beau, je dirais pas ça, mais j'ai bien kiffé. Tout à fait. Salut Longoy. Bah comme d'hab, Wario, doucement. Et toi, comment ça va? Mais qu'il soit hétéro ou gay, je vois pas l'intérêt. Ça change pas la qualité du jeu. Et encore une fois, tout le monde critique le mode boys band de ce jeu. Vous regardez Cloud, vous regardez Squall, vous regardez Jidan, je suis désolé, il transpire pas la virilité. Mais ça en fait pas de moi des bons jeux quand même. Ça vous dit du shopping? Oui, allons-y. Nous accompagne. Hey, oh, l'âge de quête. Comment ça va, les gars? Vous êtes doués. Rien à voir. Tu sais très bien que les doujines, même s'ils ont l'air ultra virils, je suis sûr que tu prends, tu trouves des trucs sur Oron ou sur Tarasque de FF9. Faites votre choix. Pas le level pour faire celui-là. Comment on passe grade 2? Faut que je fasse plusieurs fois la mission? On peut faire plusieurs fois la mission. Peut-être que ça donne de l'XP. Non, ça, elle est trop loin, c'est chiant. Dites donc, vous êtes courageux. Surtout, pas d'imprudence. Arrête, c'est trop bien les jeux où tu vas faire du camping avec plein d'hommes. Moi je connais à peu près FF, sauf que bah j'en ai jamais fini. Hein. J'ai pas mal d'XP. Je prends un level là si je vais dodo. Voilà, au garage, tiens, voir si des fois je peux changer la couleur de la voiture ou autre. Regardez, une petite touche féminine pour vous. C'est cadeau, c'est maison qui offre.
queue de phénix. Pauvre bête. Oh. Tiens. Ça va? Je peux rien faire, il n'y a pas de truc. Et toi, est-ce que t'as quelque chose à me dire? Ah, j'oubliais. Avant de partir d'ici, ça vous dit de la customiser? Ah. Tuning. Ce sera quoi aujourd'hui? Choisis ta teinte préférée. Oh, cette musique à la Gran Turismo en mode tuning. Oh, c'est triste, Gomer, t'as pas fini beaucoup de jeux. Bon, après Spyro, j'adore ça. Maintenant, choisis la couleur intérieure. Chocolat menthe, carrément, quoi. Noir intense. Va pour le noir intense. Quelle couleur? On peut changer les jantes. Oh! On va mettre hors nuit. Non mais la voiture elle est magnifique, hein. C'est une tuerie. Hein. C'est cool, ça me coûte rien. Après je la préfère quand même en noir, hein. Enfin en bleu nuit. Me semblait pas si bleu. Choisis ta teinte préférée. On va mettre bleu. Ça me coûte rien. Ça te va comme ça? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tu veux dénoncer ta voiture, Biloute. J'avoue. Voilà. Exactement comme vous la vouliez. Ouais, elle était noire, c'est bien ce que je pensais, mais on pouvait pas récupérer la couleur, elle n'y était pas. Fait chier. Vraiment ma voiture noire. Ah. Figure-toi que t'arrives juste au bon moment. J'ai du nouveau pour toi. Ah. Tu veux quoi? Tu veux quelle couleur? Je veux récupérer ma voiture en noir. Oh, ma voiture. Voilà. On touche pas à la carrosserie. Choisis la couleur intérieure. Ah, il faudrait que je le mette pour voir. Canneberge. Ouais, ça ira très bien comme ça. Ça te va comme ça? Je m'en occupe, pas de problème. Ah, mais cette bagnole, voilà. Elle est tellement belle. La voiture est prête. Bon. On va aller faire encore deux quêtes de chasse pour essayer de débloquer. Putain, tu vas ramasser ce truc, oui? On va essayer de débloquer le niveau de chasse au-dessus pour pouvoir tuer la bestiole. Ça m'énerve de me barrer. Ah oui, c'est ça. Si j'arrive à arrêter de sprinter pile au moment où je perds ma jauge d'endurance, elle repart à zéro. Jaloux, Vakenji. Quel temps splendide. Je te prêterai le pot d'échappement. Moi j'adore les garagistes. Hein. Attention, côté droit. Compris. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Bien. Tu veux que je te dise mon plan? Donne-moi la version courte. Ah. Le génie n'est pas dans la précision. Oh, tu dépasses les bornes. C'est poussé. Tiens, cours. Toujours en vie. Par ici. Ah. Ignus. Yeah.
Ils ont quand même pas mal de points de vie, ces bestiaux. Je te couvre. J'espère bien. Tu survis ? Ouais, toujours en vie. De feu dans la gueule. Merde, ah, mal visé. GG. Et attaque. Ah, j'ai appuyé trop tôt. Ça va ? Ouais. Émeute ! A plus de mana, on régène un peu. J'adore cet effet quoi, je le trouve trop cool. Salut Arteos. Ah putain, j'ai pas les timings. Des fois la caméra devient un peu folle. J'adore les arbres. Combat contre les arbres. L'échec n'est pas une option. J'ai tenu la pauvre bête et ça a été en mode boulette. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Comment ça, et des peluches, Kenji ? Ok, si. J'adore ce truc de se téléporter. C'est presque des vacances. Je trouve ça trop bien, quoi. Je sais. Tranquille. Hop là. Tu peux plus. Pas des animaux sans défense, ils m'attaquent. Ils foncent droit sur moi. Ah, ce qui se passe chez Kenji, il reste chez Kenji, hein, c'est connu. Une quête de plus.
Pas ici le pain oignon. Vous mangez à votre faim, au moins. Beau travail. Ça va pas monter mon niveau de chasseur, du coup? Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. Ah non, ça marche pas. Faut que j'aille dans une autre zone, en fait, pour faire ça, quoi. D'accord. Il faudrait faire le plein de vitamines. Je vais copier ce truc. Je vais l'envoyer à ta femme. Tu vas tellement te faire défoncer, Kenji. Un peu de repos. Ah. Allez. Soirée mobilhome avec les potes. On est bien. On a pas pris tant d'XP que ça. J'aime bien les random photos. Toujours la classe internationale. Pas la peine d'en faire une histoire. Les photos, elles sont un peu yolo. Hein. J'aime bien celle-là. Elle ne rime à rien. On dirait que je viens de lui mettre un chassé. La picoler, c'est mal.